couper le son, gars. Et bonsoir! Bonsoir à tous, bonsoir. Bonsoir pour ce nouveau live, les amis. Bon, bah désolé, la caméra va bugger, ouais, elle bug complètement. Gros big up à Kofi. Kofi qui a fait un thread sur Twitter qu'il va falloir que je lise parce que, bah, comme à chaque fois quand il y a une mise à jour Windows, ça fait complètement planter tout simplement OBS. Donc voilà. Salut D'Angelo, salut. Alors désolé pour les messages supprimés D'Angelo, c'est les modos qui ont pas de second degré et qui ont cru le bannisser. Donc désolé. Salut Ruben, salut bah, Plinks. Bah, de toute façon, je vais les accueillir parce qu'ils sont là. Ils sont là. Comme ils font n'importe quoi, ben voilà, on les invite en live, ils vont devoir répondre de leurs actes. Comment vous allez, bande, je dirais pas plus, bande de modos, on va dire. Il y a déjà Lucas qui est là comme hier soir pour le React, d'ailleurs Loïc, mais on n'a pas de nouvelles de Loïc. Et on a les modos. Comment ça va les modos? Bah ça va. Ça va et toi? Bah ça va. Très bien. On a Mika, on a Arcro, on a Plinks qui sont là, on a Lucas qui est là, on a Adinel qui est là, salut Adinel, donc D'Angelo, je l'ai vu, Ruben, il y a bah, The Ditra qui est partout, il y a Boîte Sphinx, bienvenue à tous les amis, ça fait extrêmement plaisir, et désolé du coup si la cam elle plante, ça va me saouler, donc voilà, on va passer une petite soirée ensemble. Alors, je vous le dis, on risque de pas passer jusqu'à 23h30. On risque même de finir un petit peu avant 23h. Parce que je suis complètement éclataxe. J'ai commencé mon déménagement aujourd'hui et j'ai eu beaucoup plus de choses que prévu. Étant donné que, tout simplement, je devais... j'ai eu pas mal de rendez-vous et tout. Donc, je suis un petit peu éclaté. Attendez, qu'est-ce que je suis en train de lancer là? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Il y a un nouveau truc sur la play, c'est nouveau. Donc on va commencer comme tous les soirs par le petit react de la nouvelle vidéo. Enfin, de la nouvelle vidéo. Tout est relatif, bien sûr. De la vidéo nouvelle, du mystère. Nouvelle, il y a combien de temps? Qui a 10 ans. Pas encore tout à fait 10 ans. Elle aura 10 ans en... Le 10 octobre 2023, 10 ans. 10 octobre. Aïe. Mm-hmm. Déjà. C'est fou comme le temps passe vite. Ouais, coup dur, hein. Coup dur. À cette époque-là, Plink c'était même pas né, donc c'est pour vous dire que à quel point. Ça m'attaque direct d'un coup. Ah bah. D'accord. Je tire à balles réelles. Le plus jeune ici, c'est pas moi. Hein. Allez. C'est Arcro le plus jeune. Bah oui. Non, je ne peux pas vous parler. Arcro qui est actuellement en train de passer son BSR. 2013, c'était il y a 5 ans pour moi. Ouais, ça passe vite, hein. Mais en fait, c'est il y a 10 ans. Enfin, j'espère que tu me dis pas que tu avais 5 ans. Parce que là, 5 ans. Et il y a Neymar qui vient d'arriver. Salut à toi, Neymar. Enfin, non, j'avais pas vu Neymar. Salut, Neymar. Putain, ma cam, elle bug vraiment sa mère. Hein. Je vais essayer de voir si je peux. Ah non, j'ai déjà fait les réglages. Et tu sais que c'est vraiment ta cam et pas le truc qui bloque. Parce que je me vois en retour et je vois que c'est fluide. Non, mais c'est. C'est ma cam. Hein. C'est ma cam. C'est. Par contre, TDR, coupez le retour, les gars. Coupez le retour. Moi, TDR, j'ai pas le retour. Donc, coupez le retour, merci. Adinej, j'avais 7 ans. Bah, du coup, vous aviez quel âge en 2013? Lucas, t'avais quel âge en 2013? Putain, attends. Attends, j'ai quel âge déjà? J'ai quel âge? Ah, oui, c'est ça, parce que je vais sur mes 25. Je suis mauvais en calcul. Bah c'était il y a 10 ans. Bah du coup je suis trop con. Mais en vrai j'avais. Oui tu es un petit peu limité intellectuellement, mais c'est pas grave. L'enflure. Bah, j'avais 14. J'avais 14 ans. 14 ans. Ouais. 13 ans pour Ruben. Ans, 7 ans pour Adinel. 9 ans pour Kota. 10 ans pour Arcro. Aïe, tous ces petits minots là, tous ces bouts de chou. Et toi, juste pour savoir le vieux, t'avais quel âge toi déjà à l'époque? Eh ben moi j'avais 19. Fidèse. 19 ans. 19 ans. J'avais 11 ans pour ça. 13 ans. Même pas pour... la majorité aux US, quoi. 13 ans pour Mika. Mika, tu as le droit de t'exprimer en live. Hein. Tu peux nous couper, nous dire. Moi, j'avais 13 ans. J'avais 13 ans. Tu peux gueuler. J'avais 13 ans. Voilà, merci Mika.
Oui! 15 ans pour Boîte Sphinx. Ok, pour moi, je suis toujours plus vieux. Bah, on commencera pas le réac tant qu'il n'y a pas Kota. quelqu'un qui était plus vieux que moi. Voilà. Kota qui dit l'ancêtre. Il y a peut-être Picsou. Hein. Les modos. On le. Ah, D'Angelo avait 20 ans. C'est bon. C'est bon. Salut Natsu. Bienvenue Natsu. Comment ça va? 23 ans pour Alex. Alex Ventura qui est dans le chat, pareil. Il nous Alex, c'est le espionne. doyen. Ouais, Alex, c'était le c'est déjà daron. C'est le papy. Dumbledore. Salut Papy. Enzo! Salut Enzo! Quand j'étais sorti d'ici un ou deux ans, j'aurais du coup 25 ans. Le mytho. Qui c'est qui est le mytho? Ça va super et toi Natsu? T'avais quel âge toi Natsu en 2013? Dis-nous tout en 2013. Enzo, t'avais quel âge? Dites-nous là, on est en train de voir quand la vidéo de Rockstar Mag est sortie, donc le mystère partie 3 en 2013, quel âge vous aviez? Salut Goldren! Pareil, Goldren, allez, quel âge t'avais? Il avait 18 ans, putain, c'est vraiment le plus jeune. De 1 an, enfin, s'il y a D'Angelo qui a 20 ans, c'est bon. Et bah attends, t'as Il y a Kota qui dit Alex des Tout qui trucs, il avait avait déjà 23 sa ans. casquette Los Santos à l'époque, et bah c'est faux. Parce que j'ai dû attendre mes 18 ans Aïe, pour aïe, avoir mon aïe. premier taf et ma première paye. Avec ma première paye, j'ai acheté le collector de GTA V. Faut savoir, Ah ouais. hein. En Ouais, j'étais 2013, il avait déter. 9 ans, 8 Ça ans, a commencé putain. tout. Le nombre de personnes que j'ai perverties, si je finis pas sur BFM pour dire que j'ai élevé une bande de terroristes, j'aurais de la chance, hein, parce que. Pour l'instant, j'ai roulé sur personne, j'ai buté personne. Pour moi non plus, mais attention, hein, Ça va. attention. J'ai bien Liven dit avait pour le 10 moment. ans, Neymar avait 17 ans, en 2013, 9 ans pour Enzo, donc 8 ans pour Goldren. Bonsoir personne. Direct personne, quel âge tu avais en 2013? 11 ans pour Attaque les gens. HCS. Tu sais que je regarde toujours les vidéos mystères, mais ça c'est incroyable. Vous savez que vous êtes nombreux. Bah, il n'est pas là sur le chat, c'est bizarre, mais Younes, pareil. Younes regarde toujours les vidéos mystères. Et je trouve ça fou. Je trouve ça fou Ah mais de. de toute façon c'est clairement les vidéos mystères qu'on fait connaître autant Rockstar Mag à l'époque hein, je pense. Ah oui, bah oui, Ouais, on l'a raconté, on l'a dit hier. C'est clairement ça en fait. Hein. C'est les vidéos mystères où on a pris bam 50 000 abonnés en 3 semaines. Je peux vous dire que pour l'époque, déjà aujourd'hui c'est énorme, mais pour l'époque c'était assez dingue quoi. reconnu internationalement avec tout ça. Oui, on commençait. On est apparu sur GTA Forum, sur Reddit, où les gens, du coup, ils traduisaient nos vidéos. Enfin, c'était assez énorme. Les expéditions sur San Andreas dans le mont Chiliar pour trouver le Bigfoot ont bien servi. Ah bah moi, ça a été mon entraînement. Ça a été mon entraînement là sur la petite PS2 là. Et honnêtement, alors forcément, non, il y a 19 vidéos, D'Angelo. 19 vidéos. On attend la 20e. Quand est-ce qu'elle sortira la 20e? C'est. Binks, t'es au courant que t'es avec nous dans le chat. Je viens de dire quoi vis-à-vis de Non. la casquette? T'as pas suivi ou t'écoutes pas? Les Au deux. secours, les deux. Au secours. Mais tu vois, après attention, hein, c'est ma dream team des modos, mais ils sont gentils, mais ils peuvent pas faire non plus trop de choses à la fois, tu vois. Suivre le live, parler, écrire, modérer. Voilà, tu vois, j'ai fait une blague tout à l'heure, D'Angelo, on a supprimé ses messages. Voilà, hein. Oui, On est bah, limité avec on a eux plus de actuellement. neurones, c'est pas notre faute, hein. Sacré. On vous aime bien quand même, les modos. Promis, vous êtes très très bien. C'est pour ça que je vous garde. C'est pour ça que je vous garde. Ah. Du coup, les amis, est-ce que ce serait pas le temps de partir sur le réac là? Bah, pourquoi pas? Eh bah, Pas let's go, hein. là, Tu veux parler de quoi de plus sur la vidéo 20? Bah, en fait, dès qu'il y aura des nouvelles, en fait. Donc voilà. Bah, à l'époque, à Dinel, il traduisait vraiment les vidéos. C'était pas des interprétations de ce que je disais. À l'époque, c'était vraiment, vraiment de la traduction. À l'époque, beaucoup de monde surfait sur cette vague, donc facile de gagner des abonnés. C'était moi. Alors, oui, mais en fait, à l'époque, enfin, je suis pas d'accord. En 2013, non. En 2013, on était vraiment en fait les seuls. Alors, je vais pas avoir la prétention de dire au monde parce que, en tout cas, je pense qu'on était les seuls au monde de faire ce format-là sous forme de série et pas de faire une vidéo par découverte et vraiment de faire sous forme de série qui se suit. Et je pense que c'est ce qui a beaucoup plu.
C'est vraiment à partir de 2016 qu'il y a eu une grosse vague. En fait, à la sortie de la PS4, Xbox One, où tu pouvais faire maintenant tes vidéos, on va dire, directement depuis ta console sans boîtier d'acquisition, qu'il y a eu une grosse vague de personnes qui sont arrivées, où là, 9 choses sur 10, c'était du fake, de l'interprétation très foireuse. Donc voilà. Mais en 2013, comme on l'expliquait hier, justement, on faisait partie un peu des premiers, quoi. Il n'y avait pas grand monde. Donc voilà. Et salut Logan! Ah ouais, t'arrives au bon moment là. T'arrives au bon moment. Et du coup, on va lancer, hein, les amis. Partie 3 du mystère. Le 10 octobre 2013. Salut Vladi. Bienvenue. Bah ça va super Logan et toi? Comment ça va? J'espère J'ai que la tu vas question. bien. De quoi? Il est avec l'âge en 2013. Oui Logan, tu avais quel âge en 2013? On est en train de faire un sondage un petit peu pour mettre des coups de pieu dans le cœur là, pour voir. Tu avais quel âge en 2013? Et pareil pour toi Vladi. Tu viens d'arriver, c'est un peu comme les chartes de bonne conduite en fait. Pour pouvoir répondre au chat, il faut que tu répondes à cette question. Quel âge avez-vous en 2013? Mais du coup, attends, je suis en train de réaliser un truc, Chris. Quoi? Cette année, c'est pas tes 30 balais? Tu fermes ta gueule parce que là, Je suis du 93-2023, je viens de tilter, je me suis dit punaise, allez, souviens-toi de How I Punaise! Met You. Ah, mais tu te Elle souviens, est en fait, fort en maths. en fait, le truc, c'est que j'étais en train de repenser à How I Met Your Mother, et tu sais, quand tu dis, bah, comme ça, quand j'aurai 30 ans, tout ça, et là, genre, ça m'a frappé, je dis, mais attends, 30 balais, Chris? Quoi, ça veut dire quoi là? Tu me compares à Ted Mosby, c'est ça, hein? Parce que ma vie est comme Ted, c'est ça? Vas-y, Et dis-le, non, hein. non ta vie est bien Exactement. plus drôle. Ta vie est bien plus drôle, je suis désolé. Ah, merci. Parce que il m'arrive encore plus de merde, c'est ça? Non, Oui. non, moi ce que j'adore, c'est les petites anecdotes. Pour ceux qui ne te souviennent peut-être pas, mais c'était tout ce qu'il y avait, je sais pas, Chris à Los Angeles. Ouais. Chris à New Bonsoir. York. Oh, tu sais quoi, il fait super froid à ce moment-là de l'année. Oh, meilleur investissement de tout mon voyage, des gants. Ah, ça on en parlera C'est pour quoi ton meilleur souvenir du hyper coup de New York? Des gants. des gants, le vendeur de gants qui m'a sauvé la vie là, que vous allez voir que du coup bah il y a une partie du montage qui se fera sous la neige, puisqu'il neigeait à New York, c'était fantastique. 30 ans le vieux, alors D'Angelo, tu vas vraiment te calmer parce que on va vraiment te bannir. Tu as le même âge que ma sœur. Bah voilà, ta sœur est Team 93, donc c'est forcément une très bonne personne, tu lui diras. Si ça peut te rassurer, Gotha aura 30 ans cette année. Alors, et en plus, il est devenu papa. Coup dur, hein. Coup dur. Ah Ouais, moi j'ai beaucoup de gosses avec mes modos, je peux vous dire que je vais oui, c'est trop pour dé. ça. Ah oui, c'est Je pour vais ça. trop dé. Bah sur cela, les amis, allez, on attaque le petit réac de cette Reda. Reda, je me disais, c'est bizarre qu'il n'y a pas Reda. Comment ça va, mon Reda? Salut famille, désolé du retard, mais il n'y a pas de désolé, il n'y a pas de retard, tout va bien. Tout va bien, ça, on va le foutre là, ce sera peut-être mieux. Tac, voilà, comme ça, tac. Bon, ben c'est parti, comme on disait, le 10 octobre 2013. Et ben, du coup, voilà, c'était les derniers jours de mes 19 ans, hein, puisque j'ai eu 20 ans le 20 octobre 2013. C'est parti, retour dans le passé, écoutons le Liberty 93 qui nous fait part de ses découvertes. Tac, et je vais vous mettre le son, ce sera mieux. Ah, c'était le début des petites intros. En mode, on fait des intros, attention. C'est Liberty 93, bienvenue sur Rockstar Mag dans cette nouvelle Je m'en remettrai jamais de pour ce. tester un Salut à petit tous, peu c'est Liberty 93. donc comme les deux premières, nous allons voir de nouveaux éléments. Effectivement, la musique, j'avais eu un C'est gros un problème mystère. de mixage audio. Ils vont essayer de nous mettre sur de nouvelles pistes. Et tu vois, ça baisse à partir de 1 minute 10, ouais, c'est direct. Ah, même là, si je vais. Bah là, on entend que la musique, on n'entend plus. Voilà, On résumé est de la parti, partie. on Ah a ouais. vu, donc je vous rappelle Attention, le gros site montage! d'Arthur, le camp Gros d'Arthur, montage! les dessins d'hommes dans le désert. Franchement, même aujourd'hui, c'est regardable. C'est Les passable. Merci, Kota. C'est passable. Chris, le GOAT, le vrai. Merci, D'Angelo. Merci, merci beaucoup. Désolé, j'attendais ton live 20h pile, mais comme t'étais pas là encore. Ouais, non, je l'ai dit sur Twitter. J'ai eu du retard. J'ai eu du retard aujourd'hui. également donc ce fameux chemin Bon, qui n'apparaît on va pas sur passer un la map petit peu au parce début que du je vais me format, et faire sur strike. ces, à la map de GTA V que l'on voit Ah, mais on est toujours dans le récap.
C'est dans la cape, je me suis dit, bon, en fait, le son, ça me saoule. Pas bon pour plusieurs... Ah, t'avais aussi des réactions. Bah, tiens, comme je disais, une minute 10, tu reviens là. Donc et là, en fait, c'est la réaction aux gens qui t'ont dit vis-à-vis de la map avec le truc du Mont Chiliad. Cette map, donc, c'est Sava, avec le plan du Mont Chiliad qui est superposé à la map de GTA V que l'on voit du haut. Donc, beaucoup de personnes disent qu'il n'est pas bon pour plusieurs raisons. Ah. Deux principaux problèmes seraient que, dans un premier temps, certains fans diraient qu'on ne pourrait pas vraiment savoir l'échelle de la map par rapport au dessin. Et c'est totalement vrai. Ce n'est pas faux. Le second problème, qui lui est encore plus prenant, c'est que tous les fans disent que la map est vue du dessus et que le dessin, lui, est vu de face. C'est pourquoi je me suis aidé de la map en 3D réalisée par un fan pour pouvoir redimensionner le dessin que vous allez voir tout de suite. Il y a des renards de face, le dessin lui aussi vu de face, ils sont superposés. Mais il y a encore un petit problème, c'est que si vous vous rappelez bien dans la seconde partie de la vidéo, je vous ai parlé donc du schéma. J'adore la vue 3D avec le dessin qui correspond pas totalement, mais alors pas du tout. Petits carrés avec l'intérieur des petites. C'est genre la forme de la montagne. Pour 2013, ça va. Franchement, c'était dingue. Et si vraiment insane. On laisse les deux schémas. À l'époque, je regardais tes vidéos durant mon pause à midi en été, j'étais en CM1, CM2. Oh là là, ça veut dire quoi? T'avais 8-9 ans? Rien du tout. Et allez, un nouveau pieu dans le cœur. Merci Maxo. Pas vraiment grand chose. Donc, là, actuellement, le chat, c'est la cour de récré de Chris. Ce schéma avec la map vue du dessus, vous allez voir qu'à certains endroits, il y a des choses intéressantes. Ça veut pas dire que le schéma et la montagne de face sont une hypothèse fausse, car il y a d'autres éléments qui ont le schéma. Vous allez voir qu'à certains endroits, il y a des choses intéressantes. Ça veut pas dire que le schéma et la montagne de face est une hypothèse fausse, car il y a d'autres éléments qui rentrent en jeu, comme par exemple, quelle face de la montagne voir. Non, donc, je pense que t'as vu que t'avais l'enregistrement d'une vidéo. Il y en a. T'avais attaqué celle de la partie 3. Derrière par rapport à Palais Bay, comme tu t'es couché. Donc, et quand tu te relevais, t'as fait oh putain, c'est vrai que j'ai encore ça à faire. Je peux absolument pas vous dire, je me rappelle plus du tout. Tout mon chiat pour être sûr de ça. Mais l'intéressant, c'est celui-là, car avec ce plan, il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu, comme le camp des altruistes, qui est sur ce flanc de la montagne. Il y a aussi donc le fameux chemin qui n'apparaît pas sur la map qu'on a vu dans franchement, la partie 2. Il y a le tunnel avec les portes qui apparaît dans la partie 2. Ça va quoi? Il y a encore le souterrain qui apparaît aussi dans la partie 2. Et il y a c'était poussé quoi, je me cassais le cul quoi. Tout de suite, qui est une espèce de grotte qui se trouve juste en dessous du camp des altruistes. Donc vous pouvez le voir, enfin on voit pas trop d'ici, mais là c'est vraiment juste en dessous du camp des altruistes, on est vraiment juste en dessous, le mec est en train de pisser, quand vous allez voir, il y a toujours un mec ouais, la grotte avec le crâne de bouc. C'est juste en dessous, et là on voit une grotte. Ça a très bien vieilli, c'est rare pour du contenu 2013, bah merci. Donc je vais m'en approcher. Ça fait trop plaisir. Je sais pas si vous voyez, mais on a l'impression que ça fait un petit visage qui sourit sur le toit de la grotte, enfin sur le plafond plutôt de la grotte. Donc là, vous voyez à nouveau des inscriptions. Là, c'est pratique, c'est les mêmes. J'adore quand tu te manges la pierre avec Trevor, punaise. Avec encore ce soleil. Et là, forcément, encore ce fameux logo qui apparaît de partout. C'est vrai qu'on dirait qu'un visage qui sourit sur le plafond. Il n'y a aucune porte, aucune chose qui pourrait faire comprendre. Un visage qui serait sur le plafond. Une petite grotte avec un petit feu. Ouais, je suis en train de chercher depuis tout à l'heure. Tu vas après, ils vont le montrer. Je vais le montrer après. Je ne sais pas du tout. Si on disait aux Liberty de l'époque qu'ils seraient sur le même jeu disant bah grave. Aucune façade, aucune ouverture, grave. Rien du tout. Là, je vous dis voilà, vous pouvez voir. Ouais, vous allez voir, on voit vraiment un petit sourire et un œil fermé. Je le vois. Ouais. Donc voilà, à nouveau une grotte un peu mystérieuse qui se trouve juste en dessous du camp des altruistes. La transition qui repart. On va profiter un peu de la partie entrée secrète du Mont Chiliad. Maintenant, on va passer à la suite et on va revenir sur le plan qui se trouve justement au sommet du Mont Chiliad, donc c'est celui-là avec les fameux carrés. On va donc commencer les recherches. L'avion, t'entends que les turbines. Ouais. Carré qui se trouve juste en bas. Il y avait des soucis mixage audio, tu donc vois. Son emplacement sur la carte, il se trouve et ici. Yo Axman. Donc on va faire comment un petit va, zoom Axman pour que vous puissiez un peu me voir. Ici, donc c'est juste à ça, c'est l'est la vraie de map. Sandy Shore. Et encore un peu petit zoom pour voir ça, et ça vous dit quelque franchement, chose. Franchement, c'est normal, le pour du contenu de 2013, hein. Ça a hyper bien vieilli, je trouve. C'est vrai, c'est... moi je trouve ça horrible, hein, mais... Attends, j'ai une pub PlayStation Plus avec Uncharted, là. Et Chia... Ah, punaise.
jusqu'à la 9ème minute. Très très cool Chia d'ailleurs, on continuera demain les amis. Passer jusqu'à la 9ème minute. Monter en hélico, il faut aller tout en haut, donc comptez bien. Petit risque de spoil. Spoiler. Monter tout en haut de la map, c'est vraiment très haut. Et ouais, c'était sur PS3 là. Donc privilégier le Buzzard, c'est sûr. Ah, mais là, attends, question, est-ce que maintenant on sait ce que cela veut dire, les dessins de la grotte? Pas du tout. On va avoir une petite surprise. Imagine les gars, Chris, qui va nous produire. Imaginez les gars ce que va nous produire. Bah écoutez, j'espère, hein. J'espère qu'on aura matière à faire de belles choses. Donc là on y est, maintenant il faut. Là d'ailleurs, dans la dernière mise à jour, on a eu quelques références au Ster, mais c'est juste des clins d'œil. C'est. Ouais. La troisième du moins du jeu, la deuxième qui vole. Donc, ah, j'ai adoré avec. Comment FBI, il s'appelle La coque de l'OVNI. Dax. Dax. Docteur A. Contrairement à oui, c'est Dax le roux. Ouais. Ah, lui, j'adorais. Trouver les œufs au mont chemin les œufs du mont Chiliade. Les têtes chercheuses par an. Là il y a eu du mal sur tête chercheuse. N'arrive pas à cibler l'ovni. On arrive à la toucher quand même. Ouais, j'ai vu que dans le dernier DLC on respawn devant la fresque du mont Chiliade. Mais de toute façon, c'est sûr qu'il joue avec nous, hein, on va pas se mentir. Ouais. Tête, comment tu dis tête chercheuse déjà? Impossible, voilà, c'est les têtes chercheuses. Qui pique du nez tout seul. Je préfère, ouais. J'ai réussi à l'apprendre depuis 10 ans. Il y a une force qui nous pousse vers le sol, c'est. On descend vraiment. N'empêche là. C'est beau, tu vois, l'ovni qui te fait avoir une turbulence et qui te détruit ton truc comme ça là, franchement, fait très bien penser. Le pire du pire, je crois que c'était celui au-dessus de la base militaire, mais bon, ça c'était des. La première fois que tu le vois, c'est les frissons. Ah, celui au-dessus de la base militaire. Pareil, j'étais avec Loïc et on faisait exprès de tourner les vidéos mystères le soir pour se mettre dans l'ambiance. Et ouais, effectivement. Il venait chez moi en fait, en général, il sortait de la fac. Sur l'écran, du coup, faut vraiment viser manuellement. Excusez-moi. Soit il passait, il passait chez lui et après il venait chez moi, soit il rentrait directement chez moi à la fac et il dormait chez moi. Et c'était petit apéro, repas, vers 21h-21h30 FIFA, et à partir de 23h minuit, mystère de GTA. Aucune fumée, rien, on voit aucun dégât. Toujours le faisceau blanc, on sait pas ce que c'est. Ouais. J'adore la manière où tu le dis, Ahmad. Bon, je sais pas, c'est pas du tout dans la pop culture d'avoir... Juste l'ovni avec le gros faisceau en dessous, le rayon tracteur. Je tombe. Et coucou Letty. Oula, ma voix est partie en... Coucou Letty. Comment ça va? La distance d'affichage du jeu qui est quand même exceptionnelle. Donc voilà, pour cette troisième partie, je m'arrête là car pour la suite c'est un peu plus... On peut en même temps admirer la distance d'affichage du jeu qui est exceptionnelle. Grave. N'hésitez pas à partager vos impressions. Surtout qu'en plus c'est pris sur PS3, donc c'est vraiment... Ah, c'est vraiment à l'ancienne là. Ciao. Oh. J'avais été avare, hein. 10 minutes franchement remboursé quoi. C'est quoi déjà à l'époque, il y a 10 ans, tu sais, quand on te reprochait de faire une vidéo genre de 15 minutes et de 14 minutes et une seconde. Non, c'était 10 minutes. Et à l'époque, c'était 10 minutes. Ouais. Ah, finesse. Ouais, en fait, là, t'as voulu gratter de la thune. Non, à l'époque, c'était pas encore monétisé. Hein. Ah, finesse. Non, parce que 10 minutes et 7 secondes. Non, j'adore. Cris, j'ai peur qu'il y a rien. J'ai l'œuf, j'ai joué tous les DLC. Je sais pas s'il nous carotte ou pas. Cette vidéo peut être inappropriée pour certains utilisateurs. Oula, demain, les amis, on monte d'un cran. On passe sur du Piggy 18 pour de bon, les amis. Ouais, ça te met ça sur la partie 4? Ouais, sur la partie 4. Non. Ouais, mais la partie 4, les gars, voilà, on passe sur un autre level, hein, je vous le dis. Mais qu'est-ce que t'as fait? Attends. Non, je sais pas en plus pourquoi. Alors de souvenir, la partie 4, l'introduction est au strip club. Est-ce que c'est à cause de ça? Je sais pas. Ah putain. Bah oui, bah oui. Bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Excusez-moi, j'avais 19 ans, ça va. Hein.
Tu sais que là, avec toutes les règles de YouTube, bah ouais, dans les 10 premières secondes, vous ne pouvez pas machin. Alors là, mais alors. Ah là, t'es Ouais, fiché bah. S. Écoutez. Hein? Oh. Je suis sûr, en plus, ça, à l'époque, tu t'es dit, allez, en excuse, je vais dire, bah, de toute façon, les gens qui jouent à GTA, c'est forcément des gens Mais moi, majeurs. c'était ça, Faut déjà avoir 18 ans, donc du coup, on peut mettre une paire de loches sur YouTube. c'était uniquement en fait pour la communauté GTA. Hein. Moi, j'ai sacrifié ma vidéo juste pour ça. Hein. Mais oui, voilà. Bah, ça fait partie de l'univers GTA. Je voulais faire une introduction à chaque fois dans l'univers de GTA. Ce truc que j'ai toujours trouvé, c'est ça, quoi. Il y a quand même 24 secondes, quoi. Écoute, qu'est-ce que 24 secondes sur une vidéo de 17 minutes, hein? 14 minutes. 14 minutes. Ah, punaise. Hop. En tout cas, voilà. C'est vrai que C'est trop pour une beau. vidéo de 2013, ça va. Pour une série de 2013, et sachant que c'était mes premières vidéos, ça va. Ça Ah, passe. n'empêche, j'ai hâte d'être à la prochaine, tu vois, pour la prochaine réac, parce que là, c'est là où t'as l'OVNI, du coup. Ouais. Franchement, celui-ci, il est grandiose. Bah, je crois qu'on montre l'OVNI, on montre le signe par terre vert. La partie 4, elle est vraiment très cool, hein. Ouais, franchement, ouais. Ah, franchement, là, je suis en train de passer vite fait, pour pas trop. On va dire me spoiler pour la prochaine réac, mais. Bah oui, ne te spoile pas. Mais j'aime bien voir. Moi, Ah, c'est une punaise. redécouverte, hein. C'est une redécouverte parce que je n'ai jamais revu les vidéos mystères. Il y en a certaines, j'ai revu certains passages parce que je faisais justement des documentaires où j'avais besoin de me renseigner, mais sinon, je n'ai jamais revu les vidéos en entière, quoi. C'était quoi? C'était le docu du mystère qu'on avait fait ensemble Ouais. à l'époque à Chambé. Oh, bah, Quelle punaise. dure. Ah, celle-ci, elle est grande, celle-là. Franchement, je l'adore. Et elle dure 1h10, hein. Elle dure 1h10, Ouais. donc franchement, propre, hein, quand même. En vrai, après ton live, s'il y a des gens qui veulent aller se mater ça, franchement, faites-le, parce que c'est grand. Voir en gros comment l'histoire, nous, Comment comment on a l'histoire du interprété tout ça de notre mystère et côté. comment nous, on a un petit peu, j'ai envie de dire, bah, lancé. Je vais essayer de vous montrer ça. Le mystère de GTA V, l'histoire d'un phénomène incroyable. Il fait 1h11 le docu. Franchement, ouais, c'est si. Ça passe vite, hein. Ah ouais. Si c'est l'occasion de revoir notre cher Nicolas en Il faut vidéo. aller balayer là, en fait. C'est quand vous arrivez sur la chaîne Rockstar Mag, je vais passer comme ça, en fait, ce sera plus simple. C'est l'une des premières, je crois, en plus. Hop, je vais mettre le lien, ouais. Quand vous arrivez sur la chaîne Rockstar Mag, et génial, qui ne s'affiche pas. Qui s'affiche maintenant. Vous êtes sur la chaîne Rockstar Mag, c'est le troisième ici, le troisième documentaire. Hop, et je vais vous mettre dans le chat. Le braquage de la fin du monde. Mais le. Ouais. Ah, qui c'est qui apparaît tout de suite? Ah, et qui c'est qui apparaît? Qui c'est qui apparaît? Tac. Et 78 000 vues quand même, hein. Propre pour un documentaire de 1h11. Et en fait, bah, Franchement, ouais. on vous explique toute l'histoire. Putain, je reclique à un endroit, on revoit lui. En fait, c'est que Lucas qui explique le Et mystère. ça, c'était mon. Et pour les gens, effectivement, ça, c'était mon ancien appart à l'époque à Chambéry. Et je pense que la disposition a un petit peu Oula! changé quand Alors, même. salut, je sors du bar et je peux vous le dire que c'était vraiment cool de Ah, regarder le mystère. tu parles de Nico là, non? Ouais, voilà. Là, je suis sur un arrêt sur image de lui à 5 minutes 18. Il a Voilà. l'air tellement fier de son truc. J'adore. Mais voilà. C'était. Ça, c'est une bonne vidéo, ça. C'est une bonne vidéo. Et Ouais. pour ceux qui veulent un gros récap, il y avait aussi eu le gros récap 2013-2018. Est-ce que tu te souviens? Est-ce que tu te souviens ou pas? De Il y quoi? avait le soir où on a filmé ça. C'était juste avant. Du coup, vous étiez à Chambéry pour le Savoir Rétro Games, c'est du coup pour filmer ça. J'ai retrouvé la vidéo. Je l'ai vraiment retrouvée. La vidéo de toi avec la pompe pour le matelas comme ça dans le salon. Oh, je l'ai retrouvée. Ça me fume. Et le pire, c'est que j'ai pris plein de petites vidéos et je vois que l'heure change. Ça veut dire que t'as vraiment pris genre une demi-heure à gonfler le truc. Il y avait Ah, ça, c'était grand. et il y avait Ah, ici. quand j'étais sur la route en voiture,
ils venaient d'annoncer l'arrivée de Red Dead Redemption 2 sur PC. Du coup, j'avais tourné une vidéo. Ah oh, oui, toi. J'ai même la photo. Il y a ton chat qui a décidé de venir sur la vidéo. Ah, c'était grand. J'adore. Il va sur tes genoux et c'est à ce moment-là où, avant, tu vois, genre pendant que ça tournait, t'as le chat qui s'est trimballé. Tu vois, genre, il s'est posé. Je l'ai vu te regarder et là, j'ai fait. Ah non. T'y vas pas, n'y vas surtout pas, n'y vas surtout pas. Eh ben, et trois secondes après, il a regardé tes jambes, il a fait allez, tiens, je me fous sur ses genoux. Et après, c'est le allez, tiens, dégage. Ouais. Voilà. Ah, mais c'est grand. Mais, ah, c'est mais vraiment c'était grand. Un bon week-end. C'était un très bon week-end. C'était c'est un peu le week-end où j'ai vraiment. Oh, je connaissais déjà Conquerax, mais où vraiment on s'est liés d'amitié, etc. Il y avait qui ? Il y avait Superflame, il y avait Fred, etc. Et d'ailleurs, voilà, donc il va y avoir un très gros week-end en mai. Je peux pas vous en dire plus. Je peux vous dire qu'il y aura juste un gros week-end en mai aussi qu'il faudra pas rater. Donc voilà. Sur cela, les amis, 21h18, c'est peut-être temps de passer sur Crash Bandicoot 3. Et bah, je te laisse. Deux, excusez-moi, je vous l'ai dit, je suis complètement KO. Bon, il veut aller trop vite. Là, tu vois, c'est... dans ton état actuel, je sais pas si t'infliger Crash Bandicoot 2, c'est une vrai que bonne ça va solution. Être... Tu vois. Ah bah. Je sens que ça va être chaotique le truc. Ah bah, ça va être. C'était, on va le faire après mon déménagement. Quand j'aurai, en avril, je pense. Quand j'aurai eu le temps de déménager, de me reposer. De te réentraîner un petit peu. De m'installer. Et on fera le marathon CTR un samedi après-midi. On attaquera à 14h. Et en fait, on s'arrêtera quand j'aurai terminé le jeu à 100%. Voilà. Ah oui, 100% en plus. Oui, 100%. Ça va rager fort. 100%. Non, sur CTR, ça devrait le faire. Sur CTR, ça devrait le faire. Mais marathon CTR, 14h et jusqu'à la fin. Et 100%. Je crois que la dernière fois que j'ai fait ça, ça m'a pris 6h30. Je crois. Ouais, bah, j'espère que tu seras un peu plus réveillé. En live, ça va faire plus sûr. Et oui, malheureusement, Rebu, bienvenue à toi. On vient juste de terminer, mais rendez-vous demain. En fait, c'était un donation gold, un événement caritatif. Et en fait, donc, tous les soirs, je suis en stream. Et tous les soirs, on fait un réac. Donc, lundi, on a fait la partie 1. Mardi, la partie 2. Ce soir, la partie 3. Et demain, la partie 4. Donc, n'hésite pas. Et là, on va partir sur Crash Bandicoot 2. Du coup, bah, les modos, Lucas, etc. Et patati et patata. Et bien, je vais. Vas-y, on est jeté par la fenêtre, vas-y. Allez, les petits bouts de choux. Maintenant, vous passez. Les bouts de choux, vous passez dans le chat, s'il vous plaît, pour faire de la modération. Hein, et vous faites ça bien, s'il vous plaît. Le premier dans le chat qui parle de Mercedes, faites gaffe, voilà. Ils sont sur qui vive ce ici, soir. Ici on est chez Ferrari les amis, ici on a bon goût, la Scuderia Ferrari, Charles Leclerc ou rien. Bon Lucas peut-être à demain. Bah à demain. Et bah à demain, les modos à de suite. Et, à de suite. Et oui, oh. Asman, mais en fait je suis en train de préparer avec Lucas et les modos... Ils ont vu de la lumière et les mecs ils sont arrivés donc t'inquiète non. Pas moi X-Man, on se refera ça puisque maintenant c'est open bar, les modos de toute façon maintenant ils sont en ruine totale donc voilà. Je peux tout expliquer. Non il tu y peux y rien expliquer. Qui s'est incrusté. Non. Après Blix a dit sur le chat. Quittez le Discord, quittez le Discord pour aller bannir Major Zero qui nous dit des conneries avec Max Super Max. Ne prenez pas au pied de la lettre ce que Chris vient de dire, s'il vous plaît. Est-ce que ça marche l'écho ou pas? Parce que moi j'ai pas de retour. Oui mais bah moi j'ai ton écho. Ça marche. Super. Oh punaise. Waouh, on se calme par contre, ça fait mal aux oreilles en vrai. Ok. Il y a des Lewis le Goat. Ok, bon allez, bah vous savez quoi, j'arrête le stream, c'est bon, ça me saoule, moi. Je suis pas venu ici pour me faire insulter, ok. Je prépare normalement une émission spéciale F1 où toute une soirée on va parler de Formule 1. Il y aura peut-être Ligaya, il y aura peut-être des potes et tout, où ce sera vraiment en mode chill, en mode on arrive et on discute un petit peu du début de saison, etc. Donc voilà, la stratégie. En vrai, on n'a pas trop à se plaindre sur les deux premiers Grands Prix. On a surtout pas eu de chance en fait, là pour le moment. En vrai, la safety car, excusez-moi, hein. Je suis désolé Major, hein, mais la FIA, elle est tellement dans la poche de Red Bull et Max Verstappen. Hein.
Parce que là, quand on m'explique à quel moment on met une safety car sur ce qui s'est passé à Jeddah, alors que la voiture est déjà hors piste, je suis désolé. Désolé. Plan D, Charles. Confirme. Copy. Bon allez les amis, sur cela, on parlera de Formule 1 plus tard. Je vois qu'il y en a de plus en plus tous les soirs, on m'en parle. Je sens que ça vous tâte. Ce serait peut-être pas bien de lancer une petite émission de Formule 1, hein, que je serais peut-être en train de préparer depuis plusieurs mois, hein, peut-être. Hein, je dis ça comme ça, on verra bien. Peut-être plus tard, quand j'aurai du temps de dormir, on verra. Allez les amis, bah, sur allez. Cela, pour Lucas, bon crash bandicoot, rage bien. J'espère Merci. Que tu rageras un petit peu avec ta fatigue. Il y a de grandes chances. Hein. Il y a de grandes chances. Rage. Les modos à de suite dans le chat. À de suite dans le chat. Bon live, bonne rage sur Crash Bandicoot et bon live à tous les viewers. Ouais, je sais, Axman, la cam elle saccade, je sais pas pourquoi. En fait, il y a une mise à jour Windows et à chaque fois qu'il y a une mise à jour Windows, OBS il décide de m'envoyer me faire foutre. Donc voilà. Mais aucune rage ce soir. Aucune rage. On en doute. Allez, bisous. Rage bien. La bise. Bonne soirée Salut, tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Alors là, voilà, j'ai coupé, hein, c'est bon, il partait pas là, c'est bon. C'est bon, on commence à en avoir marre. Hein. Hop là. Tac. Hop là. Eh ben nous. Regardez ce qu'on a là. Il est là. Il est là. Tac. Donc on avait commencé Crash Bandicoot 2 la dernière fois les amis. On avait commencé, on avait fait quelques petits niveaux. Où tout allait bien jusqu'à un niveau qui nous a fait très très mal. On va pas se mentir. Il y a eu un niveau où on a eu très mal. C'était celui-là, justement. Et non, c'était Birit. Je me disais, putain, mais tu peux pas me faire du mal alors que t'as un nom aussi cool. Et il nous restait quoi alors? Je crois qu'il nous a... Voilà, on a qu'une vie. C'est super. Bon, on va lancer sur celui-là. Alors comme je vous l'ai dit, pour ceux qui nous rejoignent, on va peut-être pas live jusqu'à 23h, on va faire peut-être une petite heure de live sur Crash Bandicoot 2. Parce qu'en fait j'ai commencé mon déménagement aujourd'hui, je me suis levé à 8h du matin parce que j'avais rendez-vous pour la signature du bail, etc. Et je suis éclataxe. Et demain rebelote, et vendredi rebelote, et samedi rebelote. Donc voilà, on risque de faire un petit live. Donc voilà. Il a pas les yeux verts Crash? Bah si. Si, comme moi. Comme moi, c'est mon pote, hein. On est pareil. Hop là. Allez, on attaque directement par un petit masque. Ça va nous faire du bien. Voilà, bah super. Il n'y a plus de masque. Voilà. Putain, j'avais pas vu l'anguille. Bon, en fait, vous savez quoi? Ça va commencer très bien. Comment on a... En fait, là, on va glitcher. Bah, déjà, on va se bloquer. On va glitcher. Et on va directement... mourir puisque il nous reste plus qu'une vie, donc il y aura pas de rage. Tu as eu la conférence Epic Games sur l'Unreal Engine 5? Pas du tout, Matisse. C'est ça, hein, c'est Matisse. Tac. Ça je me rappelle déjà pas. Oui, c'est Matisse. Pas du tout. Je t'avoue que là en ce moment je suis assez éloigné de l'actualité. Et ça va pas rager, au contraire la fatigue, je vais pas leur donner l'heure. Ah merde, là du coup... Voilà. Oh non. Abusé. Sans moi, je suis pas un petit joueur. J'y vais sans masque. Putain. Oh, faut que je me remette un peu dans le bain, c'est tout. Hop. On va attendre qu'il redescende. Comme ça, je vais l'envoyer. Voilà, ça va péter une hélice. Alors, comme un con, je pète une hélice, mais moi, j'y vais quand... Mais non, mais je l'ai eu, là. Un peu abusé, hein. Oh, comment j'ai fait pour... En fait, ce qui est un peu casse-couille, c'est la caméra. Voilà, c'est la caméra qui est pas du tout bien... bah on va se refaire mourir à nouveau. Voilà. C'est incroyable. J'arrive pas la caméra, elle est vraiment... Comment ça se fait que j'arrive pas... J'anticipe mal le...
Bon, ça, bon, c'est l'entraînement. Là, pareil, hein, il nous reste plus qu'une vie, ça sert à rien. On va se remettre un peu dans le bain, voilà. Et voilà. Voilà. On va repartir sur 5 vies. Fin de partie, c'est pas grave. On va repartir sur 5 vies. Hop. Et let's go. Cette fois, c'est la bonne. Quand même beaucoup d'arnaques sur le fait que la caméra elle est quand même hyper chum, hyper chelou. C'est moi ou ça bug? J'ai de l'eau dans le... Oh, attendez, on va pas faire ça. Et merci pour le follow Manimo. Manimo, et comment ça j'ai perdu un masque? Il y a un peu un complot là. Et merci pour le... Bah non. On a de la visite du château. Alors, vous oui, moi un peu moins. Putain, comment je la nique cette grosse truc là déjà. Bah comme ça. Voilà. Et des deux côtés, je crois qu'il y a un... Voilà. On aime ça. Merde putain. Pourquoi je me précipite? Hop là. Allez, on est reparti là. Eh ben oui, il y a bien eu un follow. Merci Rupture Remix. Merci beaucoup. Bienvenue. Le masque en fait c'est un joker. C'est-à-dire que si je me fais toucher, je meurs pas. Et en fait on peut avoir jusqu'à deux masques. Et après le troisième, c'est un super gros masque où je suis invincible. Moi j'étais déjà full mais j'ai perdu l'accès à mon ancien compte. Ah merde, ben, re-bienvenue à toi. Et merci pour le resub Major. Merci. Allez. Et voilà, 14 sur 14, on va récupérer 2 vies là. Comme une étoile, exactement. C'est comme les étoiles dans Mario. C'est exactement ça. Hop, et là-bas ça va être encore le... Ouh. Gaffe, il y a un bidon. Ah. Je me rappelle pas qu'il y avait de l'eau dans les tunnels. Joli. Comment ça là? C'est quoi ce bordel? Ah oui, d'accord, j'ai compris ce qu'il va falloir faire. C'est super. Ouh. L'autre chemin, c'est là-bas. Il va falloir slalomer entre les nitros, l'anguille et le tonneau déjà. Ok. Wow.
Oh là là, j'ai eu les trois d'un coup là. Et merci pour le resub, Week. Oh mon Week. Hola Chris, hola Chatmodo, au passage exprès pendant la pause. Bon live à tous et bon courage pour le déménagement. Merci mon Week. Merci beaucoup. Tu fais pas l'endroit secret? Comment ça l'endroit secret? Il y a un endroit secret ici? C'est sûr que c'est dans ce niveau. Merde. Oh non, putain, j'ai paniqué. Jouer ou lire le chat, il faut choisir. T'es sûr que c'est dans celui-là? Oui. Putain, je me rappelle plus du tout. Alors après, il faut savoir que les crashs, je les ai fait il y a très longtemps et que je ne me souviens plus de tout. Hein. Donc... Oh là là, oui, ces fameux niveaux. Ça, mais pour l'époque, c'était incroyable, la gueule qui fait crash. Je suis au bout de ma vie. Ça rappelle tellement de souvenirs, j'ai quelques... Alors, voilà. Eh ben moi, j'ai jamais cassé de manette. Eh ben voilà. T'es sûr qu'un endroit... T'es sûr que c'est ce niveau parce qu'il me reste plus que 3 caisses quand même. C'est quand même un peu bizarre qu'il y ait un niveau secret pour une ou deux caisses. Mais après il me manque quand même 2 caisses. Oh si, attends, mais j'ai loupé 2 caisses. Hein. Je me rappelle plus, il est où le niveau secret? Pour la gemme verte. D'accord. Ah t'es sûr parce que là... Ah non, j'ai toutes les... Ah mais on récupère juste la gemme. Ok. Il va me faire chier lui là. Ils vont me faire chier eux. Oh, let's go! Let's go, on a récupéré 7 vies. Bah voilà! Voilà. Avant le premier checkpoint, d'accord. Ok, bah je m'en souvenais plus du tout. Je m'en souvenais plus du tout. Merci, voilà, j'aime bien les GG. Voilà, j'aime bien. Ça c'est cool. Voilà, voilà. J'aime bien quand vous me soutenez plutôt que vouloir me descendre. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce qui se passe? 10 cristaux sur 25. Tu es sur la bonne voie. Mais merci Rébus. Beaucoup d'énergie. Communiquer risque d'être... J'ai eu du mal à démarrer, je suis comme un bon vieux diesel. Je mets un peu de temps à démarrer mais... Ah. Et n'oublie pas, on est en train de se perdre, Cortex. Oh, Komodo. Ah oui. Qu'est-ce qu'il fait là? Ah oui, si on peut changer de personnage dans Crash 2. Ah, dans le remake. Comme Ferrari. Bah, Ferrari, c'est plutôt le... Ouais, alors, cette saison, oui. L'année dernière, c'est plutôt l'inverse. Ils ont très bien commencé et... Je me rappelle plus de ce niveau... Ça me paraît beaucoup trop simple. Voilà. Mais ça me paraît aussi quand même beaucoup trop simple. Ouh. Ah. En vrai ça va. En vrai merci moi Attila, t'es adorable. En vrai ça va. On a connu plus compliqué en boss. Ou alors je suis vraiment dans une forme olympique et je vais tryhard et finir le jeu ce soir. Allez hop. Merci mon Rébu. Mais oui, Dithrak, mais Dithrak, il est pas fiable, je vous le dis, Dithrak, il est pas fiable. Bien joué, Crash. Les frères Komodo n'étaient à l'évidence pas de taille. Mais ne te repose pas sur tes lauriers. Il nous reste encore des cristaux à récupérer. N'oublie pas. Je veux voir la rage. Peut-être que c'est en étant complètement fatigué que je vais être encore plus efficace et tout. Hein. Peut-être. Hein. Peut-être. Mais je vais pas trop parler parce que... Oula, non, bah voilà. J'ai ouvert ma gueule et on a les... Voilà. J'aurais dû me taire.
Oh non, ah, c'est insupportable. Par contre, j'ai horreur de ça. T'es sur la plateforme, il se casse la gueule. On ne ragera pas. C'est la voix de l'homme. Ah ouais? On a quand même perdu deux vies au début, ça pique un petit peu, mais on ne ragera pas. Non, j'ai activé la tornade. Non, non, je casserai aucune manette. Je casserai aucune manette. Bonne nuit, Marcro. Merci d'être passé. En plus, là, je suis avec la DualSense Edge. Si je la casse, ça coûte très cher quand même. Hello checkpoint. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'était n'importe quoi, c'était forcément suicidaire. Non, non, j'appuie sur le sprint. Je me fais un petit peu arnaquer là. Je me sens un petit peu désabusé. Non. Waouh, la peur. Non, allez. Mais qu'est-ce qu'il fait? Quoi? Je n'ai même pas les mots. Ce n'est pas de la rage, mais c'est quand même beaucoup de d'étonnement devant ce bug qui, vous l'avez vu par vous-même, ne m'a pas attiré au fond des abysses. Mais, oh, c'est insupportable! Le sprint, il marche plus! Bon, de toute façon, il y a zéro vie, on va recommencer, les amis. Hein. Voilà, voilà, c'était fait exprès. Ça commence le sel. Alors, c'est pas le sel, c'est une constatation de bug. C'est comme regarder un GP de Ferrari, on s'attend à rien, mais on est quand même déçu. Je ne répondrai pas à ces attaques et à ces choses, mais complètement puériles et scandaleuses, bien entendu. On en reparlera quand en milieu de saison Red Bull sera devant le siège de la FIA pour magouille et dépassement budgétaire et triche avérée. Voilà. Hein. Parce que c'est ce qui va se passer, parce qu'on sait tous qui triche. Putain, j'ai perdu quand même 4 vies. Et là, je te fais tout du premier coup, quoi. Salut Hugo! Comment ça va, mon Hugo? Bienvenue à toi! Tu arrives, je suis en grande forme ce soir. On a tout fait du premier coup, on n'est même pas mort ni rien, c'est incroyable. Pour du Crash Bandicoot 2, je pense que... Non mais 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 non. Tu vois, bon Hugo, peut-être que tu me portes la poste. Des accusations de rageux, tout ça, parce que vous avez des buffets de piètre qualité. Oh là. Écoute, effectivement... nous, visiblement, on privilégie la course plutôt que la bouffe. Mais non, mais et, ça passait tout à l'heure, ça passe plus. Pourquoi ça passe plus?
Aïe. Bah au moins c'est passé. Voilà. Au moins c'est passé. Ah putain mais là c'est compliqué. Comme ça. Bon j'ai la victoire. En tout cas c'était une bonne saison 2003, j'ai jamais accéléré. Ouais parce que vous avez déjà gagné c'est ça. Hop là. Le god de crash. Alors, je sais pas si on peut dire le god de crash quand même. C'est comme dirait Counter. What the fuck? What the fuck? On n'a pas perdu la vie les gars. Et on a gagné une deuxième vie les gars. Et voilà, c'est comme ça qu'on passe des niveaux bonus les amis. Là on va gagner deux vies. Voilà. Trois vies même. Impeccable. On était à combien? Ouais, 3 vies. C'est déjà très bien. C'est déjà très bien. Quoi? Je suis pas trop d'accord pour ce qui vient de se passer quand même. Quand même. Oula. Bon, heureusement, j'ai pas perdu de vie tout à l'heure. Mais je trouve quand même ça très scandaleux. Ce qui s'est passé avec. Avec la plante qui me bouffe sur mon. Sur mon overboard aquatique. Bon, on va pas se refaire niquer hein. Waouh. Comme un monde piégé. Allez, let's go, 53 sur 53. Et au final on a perdu qu'une vie. Tu aimes le risque? Ouais, je suis un homme de risque, moi. Tu sais, c'est comme ça qu'on s'amuse. Galerien of all time. Mais quel enfoiré. Quel enfoiré. Mais je sens un petit peu de jalousie, quand même. Le god, c'est Nico Hülkenberg. Exactement. C'est comme ça qu'on écrit son nom. Oui, là, les majuscules pour Hülkenberg, c'est le seul mot en majuscule que l'on a le droit de mettre dans le chat. Voilà, merci moi Attila, voilà, prenez exemple sur Attila. Attila qui est toujours là à me soutenir, voilà, depuis de nombreuses années les amis, prenez exemple. Ah putain, on revient à nouveau dans les égouts. Putain, là en plus c'est... Voilà, allez hop là. Oula. Il s'énerve lui. Waouh, comment il a gueulé. Et merci pour le follow, Pen Milo. Merci beaucoup. Oh non. Ouf. Ouf. Non. Non. J'ai pas eu le temps. Mais là il y a trop d'eau. C'est... Oh non putain, on rattraque ici. La loose.
Le cri du monsieur, il est quand même strident. Coucou Mijo, je t'en coupe, ça fait plaisir sur le crachement du coup, bah ça me fait plaisir de te voir. Et si Mijo, je viens de citer le bruit de l'abonnement, j'approuve à 100%. Ah, merci Major. Enfin, il y en a qui ont des bonnes refs là. Non merde. Ok, bon, c'est pas grave, bon par contre je vois rien du tout mec, voilà. Pop Arthur. Ouais, trop content de la Pop Arthur. Elle est trop classe. Elle est trop classe. Bon bah là elle est dans les cartons. Elle a pas vécu beaucoup le jour la pauvre. Hein. Je l'ai reçue. Je l'ai enlevée de son carton d'expédition pour la foutre dans un carton de déménagement. Donc elle fait un peu la gueule. Mais ouais, elle est trop classe. Oh là, l'enchaînement. Ah mais c'est insupportable la caméra et la... Putain, c'est insupportable la caméra et ça veut pas. Hein. J'ai beaucoup de mal dans les niveaux de les égouts parce que je trouve que la caméra elle est super mal... Non, je suis quand même meilleur sur F1. Et en vrai, Crash... Là, je viens de... Mais tout à l'heure j'ai réussi du premier coup et là je galère comme un porc. Voilà. Je comprends pas des fois. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Oh non, mais c'est abusé. Oh là là. J'ai eu un x3. Enfin. Le pire c'est quand tu dois recommencer depuis le début. Ah, quand tu dois recommencer ça fout. Les blocs de nitro vert ils te font... Ah, les blocs de nitro vert ils te tuent instant. Dès que tu touches la nitro, bah c'est finito. Oh là là. Bon là c'est un niveau bonus donc on perd rien. Y'a pas moyen de mettre Lost original. Non, c'est vrai que ça c'est le seul truc que je regrette du remake. J'avoue. Je vais faire du F1 2022 d'ailleurs aussi normalement. J'ai envie de faire tellement de choses mais le temps me manque. Le temps me manque cruellement. Je verrai le replay, bonne soirée à tous. Eh ben bonne soirée Mijo, merci beaucoup d'être passé, c'est adorable. A très bientôt. Ah, attention parce que là il va se mettre à courir d'un coup.
Ah oui, mais 10 sur 16, c'est les nitros. Ok, je commence à me dire, comment ça? Comment ça? Comment ça? Bon, allez, on n'est pas très loin, on n'a pas perdu beaucoup de vie encore. Allez, on a... Il y a moyen, là. Là, va juste falloir le faire au bon moment. Voilà. Ah, mais d'accord! Oh là là! Le piège! Voilà. Eh ben voilà! Oula! Oh non! Oh non! Oh la défaite! Oh la défaite! Oh la défaite! Ah, c'est une défaite si violente! La pire mort, mais tellement incroyable. Non, mais il a pas glissé, le con. Ah mais d'accord, il tourne en même temps. Bon, on reviendra plus tard. Bon, on est à la fin du niveau, faut pas faire le con. Ah non, fallait aller de l'autre côté. Bon. Je vais pas prendre le risque. Prendre le risque. Ça sert à rien. Là, on finit avec 4 vies. On va assurer. Ça me stresse que ma cam elle saccade. Mais ça me stresse. Ah, bière. Aïe, aïe, ça va être un truc avec l'ours. Ça va être un truc avec l'ours. Je sens qu'on va galérer sur ça aussi. Eh oui. Eh oui. Putain. Non, non, je me rappelle plus comment on sprint déjà. Je me rappelle même plus comment on sprint. C'est quoi déjà le sprint? C'est rond? Ah, je suis sur le chien. Ouais, c'est sur rond. Ok. Oh là, putain, les cons. Ah,
Je suis en concentration maximum, hein. Non ! Oh non ! Oh non ! C'est cruel ! Oh non, mais c'est une blague ! Concentre-toi. Mais je suis un peu concentré, Reda, quand même, hein. Un petit peu. Oh non. Il braque pas assez, cet ours. Il braque pas assez. Oh non, j'ai loupé le checkpoint. Oh non, putain, c'était quoi ce piège? Il braque pas assez, cet ours. C'est vrai, en plus. Bon, ça va, en vrai. Oh, yo mon Younes. On se disait justement, bizarre, y'a pas Younes. Il arrive un peu plus tard. Comment ça va, mon Younes? Bah, ça va super, et toi? T'as passé une bonne journée? Bah, super. Essaie de nous couper. Ah, Rod, déjà dès qu'il y a Rod, j'aime pas, ça me fait penser à la... Ça me fait penser à au premier niveau. Ah ouais, non, ça c'est... Ils sont horribles, ces niveaux. Ah, ils sont horribles, ces niveaux. Regarde-moi ce rat qui t'attend là-bas. Regardez, quand tu regardes, tu sais que ça sent pas bon déjà. Oh yes, j'en ai eu deux pour le prix d'un. Ah bah c'est rassurant ça, un truc avec une tête de mort. C'est pas le niveau bonus du coup ça. Oh yeah, il dit, ça fait plaisir. Ah oui, non, c'est pas le niveau bonus, je m'en souviens. Et voilà, c'est sûr. C'était sûr. C'était sûr. Oh quoi?
N'importe quoi. Allez hop. Bien sûr que j'ai réagi à la suite du mystère, mon Yus, comme tous les soirs. Mais quel abruti. Mais des fois, je suis vraiment un abruti, je vous le dis, hein. Je... Il a pas avancé ce con, il est resté accroupi. Il a pas sauté. Mais c'est pas possible. On va attendre, il me reste plus qu'une vie, moi je me suicide. Je commence pas un niveau avec une seule vie, hein. Désolé. Tourne. Pas possible ça. Et merci mon Yuns. Yes, sortie de RE4 demain. Alors nous on le fera pas demain sur la chaîne. Hein. Je l'ai reçu, je l'ai pas encore installé, je ne sais pas quand on le fera. Et merci mon Ruben, et bienvenue Alpha, bonsoir à tous et bon live, merci à toi. Bienvenue sur la chaîne pour cette première participation. Et merci pour le follow Alpha, bah par la même occasion, impeccable, merci à toi. Hop là. Allez, on va tenter le malus. Tenter le malus. J'ai dit merci Ruben. Hein. J'ai dit merci. Hein. Oula, oh putain, mais je m'emballe. Ok, il n'y a pas de vie là cette fois. Ok, je me sens puni. Putain mais j'ai réussi du premier coup la dernière fois. Il n'a pas dit merci. Bah Ferrari, je peux pas leur dire merci, hein. Ils me font du mal tous les week-ends. Mais ça va aller mieux. Attends, laisse Fred Vasseur arriver, tu vois. Rigole, rigole. Tu verras quand ton Christian Horner il va aller pleurer là tous les week-ends après. Nous chez Ferrari, au moins on est pas des pleurnicheurs. On n'est pas tous les week-ends là, dans le bureau de la FIA là, parce que Toto Wolff et Christian Horner, on les connaît. Hein. Bah, techniquement, week-end dernier, il s'est rien passé. Hein. Là, franchement, sur Ferrari, mis à part la FIA qui se montre, enfin qui ne se cache plus de soutenir Red Bull, on n'a rien eu de plus. Hein. Ouais mais justement bon après c'était fier de ça parce que là quand même ce week-end c'était quand même assez flag quand même hein. Enfin, moi j'ai trouvé ça perso, je suis vraiment pas du genre à faire la théorie des complots etc quand même. Je me dis quand même qu'il y a une éthique dans le sport et tout, mais là quand même ce week-end je me suis dit c'est chaud quand même. Je me suis dit là franchement c'est très très chaud.
Non, mais c'est abusé. Oh, ouais, c'est bon, le malus, tu sais quoi? Va te faire, on l'a compris. Hein. Bon, allez, il me reste une vie, en fait. Bah, ça, bah les couilles. Hein. Il reste une vie, on y va. Hein. Mais, on est un peu abusé, quand même. Oh, putain, j'ai plus de masse. Ouais, on y va pas. Si, on y va. Si, on y va. Là, j'ai l'impression d'être le gamin. J'arrête YouTube. Non, en fait, je reviens. J'arrête, je reviens. Non, allez, on y va. On y va. Non, on n'est pas obligé, mais j'imagine qu'à la fin, il doit y avoir des caisses et puis des vies. Donc en fait, j'ai envie de perdre 5 vies pour gagner 2 vies, en fait. C'est un peu mon ego en mode... putain... Je veux y arriver. Je veux y arriver, je veux y arriver, je veux y arriver. Je rage même pas. J'ai une blague où sont passés les 30 chevaux de ferré. Ils ont gagné. Ça par contre, j'avoue que... par contre, j'ai pas compris. Parce qu'en plus, bah, les Ferrari étaient censés être les plus rapides. Du coup, bah, c'est vrai que sur le Grand Prix de Jeddah, vu les grandes lignes droites... Et trop tôt, trop tôt, trop tôt, ça me saoule et je commence à rager. Voilà, et c'est bon. Et en fait, du coup, bah, sur Jeddah, elle devait être trop trop avantagée. Et là, finalement, elles ont tellement pas performé. Je pense qu'ils ont voulu tenter de nouveaux réglages. Et ça marche pas du tout. Oula. Je crois que j'étais tombé, j'allais tomber. Parti chez Aston, c'est vrai qu'Aston il fait un début de saison mon pote. Bah après ils ont fait une mi Red Bull mi Mercedes au bout d'un moment quand tu te dis que maintenant Lance Troll commence à être bon, c'est que tu sais que la voiture est très 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 bonne quand même. Mais bon, on parlera de ça plus tard lors du live F1, je suis en train d'en préparer un. Je suis en train d'en préparer un, on en fera. Ah putain, je l'avais pas vu le filou. Ouah, qu'est-ce que t'as fait Moi je rassure Canal, moi. Trop fan de Julien Febreux quand même. Mais les gars, vous avez pas autre chose à faire là? Vas-y là, donnez-moi des vies. Quoi? Aucune vie. Un peu de l'arnaque là. Ça pue un peu ça quand même. Ouais, F1TE, ouais. On adore quand il ne parle pas. Du coup, t'es en Belgique. C'est... F1TV, c'est en Belgique, non? C'est... Ah non, F1TV, c'est... Ah là, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? Et en plus, je... Non, mais qui est con, je suis vraiment trop... Oui, F1TV, non, j'ai confondu avec... Ok, ok. Oui, t'as la F1, oui. Non, là, c'est vrai que moi je suis Canal et. Wouah, putain, mais j'ai fait n'importe quoi. J'ai plus de vie là. Fin de partie. Non, t'es pas le seul en Belgique, hein. On en a des Belges, hein, qui nous suivent. On en a. J'ai.
J'ai une... Bon, forcément, les Français, c'est ma communauté principale. Mais j'ai beaucoup de Belges, de Suisses et de Canadiens qui me suivent. J'en suis très content. J'en suis très content. Après, on en a un petit peu dans les pays du Maghreb. Maroc, Algérie, Turquie. J'ai une personne qui me suit en Syrie, en tout cas, avec qui j'avais discuté en Syrie. On a de plus en plus de Brésiliens. Mais en Belgique, vous êtes comme... Oh non, je conteste. Il y a même des gens de la Réunion qui me suivent, si c'est pas beau ça. Ils ont de la chance. Hein. Ils vivent sur une île. De Turquie, mon cousin te suit aussi. Ah, trop cool! Top top là, les cousins là, putain. Il y a Yun, c'est le cousin qui me suit là. Je quitterai ton suite pour aller à la Réunion. Honnêtement, je sais pas. En fait, il y a d'un côté, j'ai envie de te dire que les îles, ça doit être trop bien pour aller en vacances, mais peut-être pas y vivre. Mais j'ai tellement kiffé Hawaï. Quoi, il a pas sauté? Oh, Paris, c'est mort. Mon gars, il faudrait vraiment une putain de grosse opportunité professionnelle pour que j'aille à Paris. Ok, je me dis... Ah non, mais... Je suis désolé, hein, mais... Paris, pile ville ever. Hein. À la base, j'aime pas les grandes villes. J'ai vécu à Lyon. J'ai vécu un an à Lyon, j'ai apprécié. J'ai beaucoup plus apprécié de revenir dans mon sud. Puis, j'ai vécu quelques mois à Nîmes. J'ai pas du tout aimé. Pas une ville que j'aime. Non, mon sud, Montélimar forever. Quoi. Je pourrais aller peut-être du côté de Bayonne. Du côté vraiment du sud, genre Toulon, etc. Mais je pense que au-dessus de Montélimar, je pourrais pas. Montélimar, c'est déjà la limite. C'est la limite. Mais non, mais c'est déconné. C'est déconné. Non, franchement, ouais. Quoi, mais... Toulon, non, mais tout, je veux dire, dans la région de Toulon, même si... Ah oh, non, bah, ça commence à me péter les couilles, par contre. Là, par contre, les gars, casse-couilles. Toulon, c'est vraiment, genre, la région de Toulon. À Toulon même, non, mais Sanary et tout, ça, j'aimerais bien ça. Ça, j'aimerais bien... Bah, tout ce qui est la région un peu Sanary, etc. J'aimerais bien. Monaco, forcément, j'adore Monaco. Mais Mais après, Monaco, c'est vrai que vivre en Monaco, ça doit être. C'est tellement petit que. J'aime. La seule ville. Un mort égale un giveaway. Que tu offres? Ah bah, c'est super sympa. Ok, et eh ben on fait ça. Une mort et Major 0 vous fait gagner un giveaway. Allez, merci beaucoup, bien entendu je mettrai ton Twitter à retweeter, hein, bien sûr. Très important pour te remercier. Ok, super. Et ben voilà, Major, tu vas devoir gagner. Tu vas devoir faire gagner quelque chose à une personne. Ah, super.
Et regardez, là, qui est celui-là. C'est un relais, en fait. C'est un relais ours. C'est un relais ours. Super. Wouhou! Non mais c'est une blague. J'ai envie de perdre là-dessus. Merde putain. C'est insupportable parce que ces mines en fait tu les vois vraiment. Voilà, tu les vois vraiment au dernier moment, tu peux pas les. C'est trop chiant. Ouais, la tête de crash elle est incroyable. Mais ça me saoule trop ces mines. Je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de défauts dans les crashs et les trucs qui sont. En fait, qui te forcent. En fait, c'est un mini Diane Try où tu dois le recommencer pour savoir où sont les mines et tout. Parce que tu ne peux pas en fait les esquiver en fait. C'est soit t'as de la chance et t'es pas dans. Et tu cours pas dans. Bah, où elles sont. Soit en fait, bah, tu les prends quoi. Donc voilà, faut. Voilà. C'est insupportable. Ouh. Merde, qui est con, mais qui est con. Vous avez gagné mon estime, voilà. Voilà, grâce à moi en fait, grâce à ce live, vous gagnez toute l'estime de Major. Bah mais c'est impossible, mais des fois je pense que mon cerveau il est vraiment ralenti, que je suis vraiment éclaté. Parce que je crois que j'ai vraiment en plus zéro réflexe. Et que là... ah, je vais craquer. Allez, de toute façon on va... Voilà, tac. Il reste plus que 0 vie. Après pour le finir vraiment après pour vraiment le finir à fond le jeu et oui faut la prendre par cœur. Hop. Allez. Chaque mort en rappel giveaway de Major qui vous fait gagner toute son estime. Et croyez-moi que avoir l'estime d'un fan d'un Red Bull, eh ben, ça vaut le coup. Donc, let's go. Encouragez-moi à perdre. Waouh. Ok, bah voilà. Et d'un parisien fan de Red Bull, oh là là, dis-moi que t'es supporter du PSG, alors là... Là on a le bingo gagnant. Ah non. Putain, ça me saoule, c'est insupportable, c'est insupportable. Yes, j'ai les clés, merci beaucoup. Bah du coup en fait aujourd'hui c'est pour ça j'ai commencé le déménagement. Et autant dire que je suis levé depuis 8 heures, j'ai dormi 4 heures. Et comme je suis au deuxième étage, eh ben, j'ai commencé à monter les cartons et ça a été beaucoup d'aller-retour. Donc je suis un petit peu fracassé, comme on dit dans le sud. Et pourquoi il y a tous les lézards là? J'ose même pas avancer là. Sans ascenseur. Sans ascenseur, bien sûr. Sinon c'est pas drôle. Sinon c'est pas drôle. Comme ça. Du coup Major, tu nous as pas dit, supporter du PSG ou pas? Dis-nous tout un peu. Et merci, merci Krilin. Merci Krilin pour le follow, bienvenue à toi. Major, je sens que tu esquives une question. Je sens un petit supporter parisien, mais qui cette fois-là n'a pas envie de parler de cette passion. Est-ce que je me trompe? Qu'est-ce que j'ai fait, mais quel con. Mais en vrai, je vais me remettre au sport. Hein. Vous allez
Vous allez bader. Hein. J'aime pas le foot, ils disent de regarder 22 connards courir après un ballon pendant 80 minutes, m'intéresse pas, je préfère un connard qui prend. Ouais, bon. Dans ma tête, tu es supporter du PSG, c'est tout. Non, mais après, bon, chacun son sport. Moi, c'est surtout les mentalités. Mentalité de foot, ça m'a un petit peu saoulé. Mais après, chacun son sport. Catégorisé. Je vais décider. Allez Auxerre. Ils ont une équipe de foot Auxerre. Ils sont revenus en Ligue 1 là ou pas? Je me rappelle, je suis tellement plus le sport. J'étais un grand supporter de l'Olympique Lyonnais quand j'étais jeune. Bah, j'habitais à 1h30 de Lyon, donc forcément ça a été. Puis c'était l'époque Sonny Anderson, Juninho, enfin la fameuse époque où Lyon gagnait tout quoi, donc c'était un grand plaisir. Putain, je vais pas y arriver. C'était un grand plaisir d'être un supporter de Lyon. Mais là, c'est vrai que depuis quelques temps, je suis vraiment plus du tout. Depuis cette saison, ok. Je suis même pas allé voir un match de Nîmes quand je vivais à Nîmes. Pour vous dire à quel point le OZEF le plus total. Voilà, on a gagné une vie, super. Ouais, moi aussi la F1, j'avoue que tous les dimanches je voyais mon père dans le Grand Prix devant Michael Schumacher. J'ai joué avec le joystick. Je sais pas si ce sera plus simple, mais non, mais ça c'est. Je n'avais pas cette notion quand même que le jeu était vraiment calibré pour te faire perdre en fait. Olivier Panis, ah ce fameux Olivier. Moi dans ma tête, voilà, ça reste un. Mais c'est putain, t'as même pas le temps de faire double. Mais carrément Mika, The Lich King, carrément. Regardez-nous, tu passes sur clic. Ah, ça c'était l'émission Michael Jackson. Oh non mais c'est une blague. C'est l'émission sur Michael. À la base, pour la petite histoire, Sébastien Abdelhamid m'avait invité pour l'émission GTA. Mais c'était pour les grèves. C'était quand il y avait eu des grèves en décembre 2020 je crois. Ouais, décembre 2020. Et en fait le jour de l'émission, donc je devais partir le matin. Et train annulé. Du coup pas d'émission GTA. Qu'est-ce que c'est ça? Oh non, mais ils sont sérieux là. Je me rappelais pas de ça. Ok d'accord, voilà. Du coup, j'avais un petit peu le seum. Et Sam m'avait dit qu'il prévoyait aussi de faire une émission Rockstar. Mais putain, je refais la même, je vais sur les TNT. Et que du coup, pour l'émission Rockstar, ce serait moi aussi. Mais je sais pas quand. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont la faire. Mais je trouve que Click, c'est une très bonne émission. Je trouve que le concept est super cool. On va perdre, je crois. Les amis, je vais vous le dire, j'ai pas la foi de recommencer. Il est toujours sur clic, toujours. Il a fait une émission il y a pas très longtemps. Il a fait une émission il y a pas très longtemps. Enfin, je sais que malheureusement, il a eu le décès de sa maman. Il a beaucoup impacté. Et donc, du coup, il a un petit peu lâché pendant quelques temps. Mais ouais, il est toujours sur le clic. Toujours, donc il fait toujours dans la légende. Et je trouve que c'est une émission qui est très cool. J'aime beaucoup.
qui a beaucoup évolué aussi. J'espère qu'il va faire dans la légende spéciale Rockstar Games. Et j'espère être invité parce que bah, l'émission sur MJ était, était super. Et voilà. Et c'est enfin une émission que mes parents ont pu regarder. Parce que mon père est fan de Michael Jackson, ma mère connaît Michael Jackson. Alors que dans le jeu vidéo, bah, ils ne peuvent pas trop regarder. Donc ça avait été quand même une grande fierté de faire cette émission. Même si j'avoue que c'est la première fois de ma vie vraiment que j'avais été stressé pour une émission parce que là je sortais hors jeu vidéo et du coup voilà, on fera un réact si vous voulez de l'émission Michael Jackson. Sur cela les amis, bah, moi je vais pas tarder à vous laisser pour aller genre parce que j'ai encore aussi du boulot, j'ai encore au moins une heure de taf, donc je vais aller tranquillement finir mon taf et aller dormir. Donc voilà, on se retrouve demain j'espère avec une cam qui fonctionne. Parce que là, Elgato, elle commence à me casser les bonbons, clairement. Et voilà. Donc demain, réac de la partie 4 du mystère. Alors, normalement, ce sera à 20h. Mais, néanmoins, cependant, demain, on est censé venir me brancher la fibre dans mon nouvel appart. Et c'est pas une fourchette qu'ils m'ont donnée, c'est une péninsule. Puisque ça doit arriver, le technicien doit passer entre 13h et 19h. Donc s'il passe à 13h, voilà. S'il passe à 19h, bah, peut-être qu'on rentre, on lancera à 20h30 ou 21h. Voilà. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à faire le point d'exclamation réseau pour me suivre de partout. Parce que du coup, s'il y a du retard, je l'annoncerai sur... sur Twitter et Instagram. Encore faut-il qu'il passe. Ouais. Mais t'inquiète pas, j'ai les numéros et tout. Et les mecs, je les démarre s'ils passent pas. Donc voilà. Voilà. Sur cela, les amis, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et je vous dis du coup à demain. Prenez soin de vous. Et voilà. Salut à tous.